présentation du recueil de pensées. J'ai écrit ce recueil de pensées au fil des jours, des émotions, et donc il est naturel de ne pas y avoir trouvé deux chapitres, cœur lourd et cœur léger. Chaque matin apporte son lot de déceptions, de plaisirs ou joies inattendues, et nul ne sait de quoi demain sera fait, et heureusement d'ailleurs. C'est pourquoi c'est plutôt au gré de l'humeur, de l'humour, de la tristesse, du petit bonheur de l'instant que j'ai construit l'ensemble de mes parcours journaliers dans la palette des sentiments différents, inconstants et opposés. Ce sont ces morceaux dispersés qui, réunis, composent le quotidien de chacun et font que tristesse et humeur joyeuse sont complémentaires et indispensables pour faire de nous des êtres équilibrés et humains.